Salut la gang des membres hors, c'est Max. Écoutez, faire un petit retour sur mon week-end pour ce vlog. En fait, un petit vlog tout petit du dimanche soir. En fin de semaine, j'ai fait beaucoup de streaming sur Twitch. Fait qu'évidemment, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne Twitch pour aller regarder ça. Mais notamment, j'ai joué avec Mélanie pour sa campagne du jeu The Crew. Donc moi, de mon côté, je l'ai réinstallé et j'ai joué à ça avec elle. On s'est bien amusé. Mais notamment, j'ai retenu une petite section là, qui était très drôle parce que j'ai un de mes enfants qui a décidé qu'il partait à course en avant de la caméra puis qui s'amusait. Donc ça, c'est sur notre chaîne YouTube. Puis dans notre section aussi, l'épée joue à un jeu. Fait que vous irez voir ça, c'était vraiment très drôle. Aussi, ben, j'ai joué à Forza Horizon 2 avec Steve Desgarry là-dessus. Où on s'est vraiment amusé aussi. On a joué beaucoup en ligne. J'ai gagné quelques parties, ça allait vraiment bien. Et puis à Call of Duty, même chose aussi. Beaucoup de Twitch de ça aussi. Concernant Forza Horizon 2, j'ai terminé enfin. J'ai atteint le 100 championnats complétés. Donc ça fait plus de 120 heures de jeu que j'ai investi dans ce jeu-là. C'est complètement fou. C'est vraiment un bon jeu. Je pourrais jamais vraiment dire combien que c'est un bon jeu. C'est vraiment excellent. Ça m'a permis de débloquer un nouveau succès sur Xbox. Enfin, c'est un objectif que je m'étais donné. Et puis, ben, le prochain objectif, c'est de terminer les 168 championnats. Donc, j'ai encore 68 championnats, peut-être un petit peu moins, à faire pour me rendre jusque-là. C'est pas mal ça, le gaming que j'ai fait durant ma fin de semaine. Après ça, je vais vous parler pour le podcast demain. Moi, je vais faire probablement la critique du DLC de Assassin's Creed Unity qui s'appelle Dead Kings. Le DLC, il est gratuit. Donc, si vous avez aimé beaucoup Assassin's Creed Unity, ben, c'est pas très coûtant de faire Dead Kings. Ça m'a pris juste 3 heures de compléter. Donc, j'ai pas apprécié beaucoup le DLC. Ça, je vais vous revenir là-dessus pendant le podcast demain. Mais pour faire une histoire courte, c'est très sombre, donc c'est à la limite comme c'est lourd comme ambiance. Et puis, alors que dans Unity, même s'il y avait des moments très lourds et très 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 durs aussi, il y avait aussi des moments ensoleillés, des moments de bonheur dans ce jeu-là, où est-ce qu'on pouvait juste grimper sur les toits, puis regarder autour, puis s'extasier devant les environnements pour voir comment est-ce que c'était beau. Puis c'est pas le cas dans Dead Kings, donc celui-là c'est juste tout le temps très lourd et tout le temps dépressif, donc... C'est gris, hein, comme dirait mon ami Bruno Georget, il dit « c'est gris, puis on veut des couleurs ». Donc c'est ça, Dead King, c'est gris. Pour les vlogs futurs, je veux juste vous sonder tout simplement. Aimez-vous la formule que comme ça qu'on fait un vlog à la maison, puis qu'on parle de tout et de rien un peu, puis qu'on s'adresse à vous directement? Si oui, tant mieux, on va continuer. Est-ce que vous avez des suggestions aussi à apporter? Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de sujets précis? Est-ce que vous aimeriez qu'on apporte des nouveautés? Donc, faut pas oublier que la plateforme Membre d'Or, c'est pas un service qu'on vous vend. C'est le fait que vous nous donnez, que vous nous envoyez un don. Ben, ça, c'est un bonus qu'on vous donne en retour. C'est une façon de vous remercier, tout simplement. Donc, pour vous remercier le mieux possible, ben, si vous avez des idées, des trucs que vous voulez qu'on fasse avec vous, qu'on jase avec vous, n'hésitez pas, laissez-moi ça dans les commentaires sur Membre d'Or, tout de suite en dessous de cette vidéo-là, puis j'aimerais ça avoir un feedback de votre part. Pour les semaines à venir aussi, je voulais vous dire, si jamais vous avez le goût, vous avez envie de faire des parties en ligne avec nous, dans ces commentaires-là aussi, vous pouvez nous laisser vos gamer tags. On va s'ajouter, puis on va pouvoir se céduler un moment pour jouer ensemble, si ça vous tente. Donc, dans mon cas, moi, on pourrait jouer sur Xbox ou sur la Wii U, tout simplement. Ça pourrait être bien amusant. Là, vous avez peut-être entendu les enfants qui crient en arrière. C'est ça, être parent. Il y a beaucoup d'enfants, ça chicane. Donc, c'est ça. Sur Wii U, je peux jouer avec vous. J'ai plein de jeux. Mario Kart, Bayonetta 2 aussi, ça joue en ligne. Donc, c'est super cool. Sur la Xbox aussi, vous commencez à savoir. Call of Duty, Titanfall, Forza Horizon 2, c'est un paquet de jeux. Aussi, même Diablo 3 qui pourrait être très intéressant à jouer en ligne. Donc, envoyez-nous vos suggestions. Puis si c'est quelque chose dans le domaine du possible, et on va simplement se céduler un moment. Fait que c'était tout pour le petit vlog du dimanche 18 janvier, puis on se donne rendez-vous demain pour le podcast La Balado Légendaire, ce lundi 19 janvier, puis ça va être dès 20h30. Merci, bye!